Bonjour à tous et à toutes, c'est Morgane. On se trouve aujourd'hui pour une petite vidéo bien caractéristique de ce que j'aime actuellement dans Final Fantasy XV. Donc j'en suis à 14 heures de jeu, ça y est, je suis passée au chapitre 2. Hein. Je prends vraiment mon temps, j'explore à fond la map à pied, etc. Et ce que j'apprécie justement, c'est que cet explo à chaque fois me mène sur des choses inattendues, des surprises, voilà, des éléments. On peut suivre la quête principale d'une traite, hein. Il y a des gens qui l'ont fait en 30 heures, ça c'est une différente façon de jouer. Moi, c'est pas du tout comme ça que je joue, et ma façon de jouer me plaît pour l'instant, parce que ce sur quoi je tombe me plaît. Et là, en l'occurrence, je suis tombée donc sur un petit pampa niveau 15, j'étais niveau 11, et il s'est avéré qu'à la fin du combat, il m'a donné quasiment 6000 d'XP, donc j'ai halluciné, j'étais en mode « what ?» Normalement, c'est du 50 XP hein, dans ces eaux-là, au niveau des mobs de cette zone, même pour un niveau 15, hein, c'est pas censé être du 6000. Et j'ai donc enregistré pour revérifier, c'était bien 6000, donc au nord de Hammerhead, juste à côté du sanctuaire sur lequel j'avais campé. Et j'ai cherché du coup un petit peu sur internet ce qu'il en était, hein. J'ai cherché Pampa Final Fantasy XV, et effectivement, c'est connu depuis la démo qu'il existe ces Pampas qui pop une fois par jour, d'après ce qui est dit, dans cette zone justement, au nord de Hammerhead, et qui vous donne effectivement un bon gros boost d'XP pour quand vous débutez, puisque bien sûr si vous revenez là quand vous êtes niveau 40, 50, 60, voilà, ça ne vous boostera pas de la même façon. Mais en l'occurrence, dans mon cas par exemple, je suis donc allée à un hôtel juste après x1,5, j'aurais pu prendre le x2 du sud de la map, c'est un petit peu dommage, mais bon. Je suis passée du niveau 11 au niveau 17, donc 6 niveaux d'un coup, c'est vraiment important à ce niveau-là, même si ça va pas non plus faire que vous êtes overcheaté, hein, mais j'ai trouvé cette rencontre vraiment sympa, et du coup, bah, je voulais vous partager ça, vous partager cette petite expérience un petit peu qui sortait de l'ordinaire de l'aventure, voilà, il y en aura peut-être d'autres, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager en évitant de spoil bien sûr, et je vous dis à très vite sur la chaîne et sur le stream.